Seigneur, passons la lolo. Pardon, passons la lolo. Yaya, passons la lolo. Yaya, passons la lolo. Ma foute est qui t'allez l'eau. 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 Coco tatola. 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 On acclame très fort pour le Seigneur. Tobete likolo maboko makasi. Si ça c'est très fort, ça va m'étonner. Soki wana eza makasi ekoka musanga mingi. N'attends pas toujours qu'on insiste. Quand tu acclames pour Jésus, tu sais pour qui tu acclames. Wana ba bibetela Yesu maboko yomoko yeba nazobetela nani mota mokile ote. Il mérite la gloire, la louange et la majesté. Abongina kembo lokumpe masanjoli. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et soyez les bienvenus à l'église Porte des Cieux. Bienvenue aussi à des milliers qui sont connectés chaque jour avec nous en prière. Vous nous suivez connectés à partir de l'Asie, du Moyen-Orient, des États-Unis, de l'Amérique, l'Amérique du Nord, du Sud, de l'Europe, de l'Afrique, Africa, et d'ailleurs. Libanda. Vous êtes vraiment les bienvenus à la Porte des Cieux. Oui, madame, et nous vous bénissons tous de partout où vous nous suivez. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. S'il y a moyen, déplacez-vous, saluez une vingtaine de personnes. Souhaitez la bienvenue et beaucoup de courage pour cette deuxième semaine. Dis à ton voisin, en cette deuxième semaine, je suis là encore. Pour dire à ton voisin, je suis là encore. Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On n'a pas dit celui qui va persévérer. On dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Commencer c'est bien. Continuer c'est mieux. Et terminer c'est parfait. Y a-t-il de jusqu'au boutiste ici? En cette deuxième semaine, nous allons à une autre vitesse. J'aimerais qu'on acclame pour le Saint-Esprit, notre ami. L'Esprit de Dieu qui nous accorde la force de travailler, de prier, de jeûner et de tenir. Lève la main droite avec moi. Dis avec moi, Père. Père, voici la deuxième semaine. Voici la deuxième semaine. Vient de s'ouvrir. Vient de s'ouvrir. Je te donne mon corps. Je te donne mon corps. Mon âme. Et mon esprit. Et mon esprit. Saisis-moi. Saisis-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Change-moi. Change-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Et fais de moi ton instrument. Et fais de moi ton instrument. Afin de bénir ma famille. Afin de bénir ma famille. Ma communauté. Ma communauté. Ma nation. Ma nation. Ton église. Ton église. Et ma génération. Et ma génération. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Que ta parole me change. Que ta parole me change. Qu'elle me transforme. Qu'elle me transforme. À jamais. À jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles alors que nous sommes debout. Chers amis de la technique, veillez à nous arranger ça, ok? On peut quand même essayer d'évoluer un moment, parce que si ça continue toujours, ça ne va pas. Ok? Il faut évoluer, il ne faut pas dégrader, ok? Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, à la fin vous me dites, papa, voilà le problème que nous avons et on va changer ça, d'accord? Voilà, essayez un peu d'évoluer. Amen, amen. Dis à ton voisin, c'est quand même 2020, il faut évoluer. Non, dis à ton voisin, c'est quand même 2020, il faut évoluer maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va lire ensemble de Genèse chapitre 2. À partir de Genèse 2, verset 8. Je peux lire pour vous tous. Mon fils, tu vas lire tout le... Tu vas lire Genèse 3, 1 jusqu'à 24.
Moi, je vais juste lire Genèse 2, verset 8, il est écrit. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 3, 1 et suivant. Genèse 3, 1 à 24, j'ai lu le nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant... Merci, verset 24. Le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder la, le chemin de l'arbre de vie. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 10. Là, je vais lire pour vous. 1 Samuel 10, 9 et 10. Et 1 Samuel 28, 6 et 7. 1 Samuel 10, 9 et 10. 9, 10 et 1 Samuel 28, 6 et 7. Je lis pour nous tous, on peut aller. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. 1 Samuel 28, au soir même de la vie de Saül, Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit ni par les songes, ni par le lourim, ni les... le Tomim, l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, donc qui pratique la nécromancie, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. On va lire un dernier texte de Salomon. Salomon, hein? 1 Roi 3:3. Salomon aimait l'Éternel. Dis avec moi, Salomon, aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David son père, seulement c'était sur des hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. 1 Roi 11, verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Dis avec moi, le roi Salomon, aima beaucoup de femmes, étrangères. On dit en outre, la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Éthiennes. Que Dieu bénisse sa parole. On va acclamer pour la parole du Seigneur. Merci, veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus à la porte des cieux. Cette semaine est la deuxième semaine de nos 40 jours. Et nous sommes à notre huitième soirée. J'aimerais encourager tous ceux qui ont commencé cette course avec nous. Et tous ceux qui ne le savaient pas ou qui étaient indisposés, ils veulent nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus, montez dans le train parce que nous allons quelque part. Alors depuis lundi dernier, nous sommes là tous les soirs en prière et dans la parole. Et ce soir, non seulement nous allons écouter la parole jusqu'à dimanche, mais tout à l'heure nous allons prier avec notre bouteille d'huile d'onction. Au cas où votre bouteille n'a pas été sanctifiée, je prierai pour cela aujourd'hui. Alors, le thème avec lequel nous avons commencé ces 40 jours s'intitule « Seigneur, change-moi et fais de moi un autre homme. » Pardon, fais de moi ton instrument. Lève la main droite, dit « Seigneur, change-moi. »
Seigneur, change-moi. Et fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Tel est le thème de notre Hanouka 2020. Seigneur, change-moi. Et fais de moi ton instrument. Et depuis la semaine passée, j'ai commencé un sous-thème que j'ai intitulé Changer avec ER. Parce qu'il est important que les premiers jours soient des jours de préparation spirituelle. Dans Amos, il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. C'est important, quand tu veux entrer dans le lieu très saint, tu as un parcours à faire du parvis en passant par les lieux saints pour arriver dans le très saint. Avant la fin de Hanouka, nous allons expérimenter une onction terrible, des miracles terribles, de surnaturel, de manière inimaginable. Mais avant d'y arriver, nous voulons d'abord dire à Dieu, nous sommes sur l'autel du sacrifice, brise-nous, taille-nous, façonne-nous. Et Dieu a choisi de le faire en exposant notre vrai nous au travers de la parole que nous écoutons. On me donne déjà des témoignages de ce que Dieu fait, et ma prière est que pour toi cette semaine, tu sois aussi parmi ceux et celles qui vont témoigner la main de Dieu qui a déjà commencé à agir durant ces 40 jours. Si c'est ta part, dis avec moi, je le reçois. Alors, je continue cette semaine sur changer. Et ce soir, j'aimerais terminer sur le premier mot grec que j'ai exploité, qui veut dire métastrépho. J'invite tous ceux qui ont les papiers d'avancer. Juste à titre de rappel, pédagogiquement, c'est important de revenir sur l'introduction, comme ça tout le monde sait se mettre à niveau. Avancez, s'il vous plaît. Alors, le thème, c'est changer. Seigneur, change-moi. Alors, j'ai expliqué. Quand tu dis changer, dans le Nouveau Testament, changer veut dire 5 différentes choses étymologiquement en grec. Et c'est important que tu connaisses tous ces mots pour entrer en profondeur sur le concept de changer. Alors vous allez exposer vos papiers. Et j'avais dit dans la Bible, quand tu parles de changer dans le Nouveau Testament, vous allez voir, il y a un mot qu'on étymologiquement, c'est le mot métamorpho. Donc tu verras, on écrit changer en français, mais quand tu vas en grec, c'est le mot métamorpho. Dans une autre version, tu vas changer, mais quand tu vas en grec, tu vas voir, on écrit alasso. Donc en français, toi tu risques de dire c'est changer, mais quand tu vas en grec, tu comprends que dans ce texte, on voulait dire autre chose, et là aussi, on voulait dire autre chose. Pourtant, c'est toujours le verbe changer. Un verbe que nous connaissons beaucoup, métanoïa. Dans certains versets, métastrépho, que j'ai exploité depuis mercredi, mardi-mercredi, et il y a aussi métathésis. Alors, ce soir, j'aimerais clôturer sur métastrépho. Et je vous ai dit que métastrépho, c'est utilisé généralement négativement dans le Nouveau Testament. Dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre cite les propos du prophète Joël, il dit dans Actes que le soleil se changera en ténèbres. La lumière à l'obscurité, se changera, c'est le mot métastrépho. Ce n'est pas métanoïa, alasso ou même métamorpho. En grec, c'est le mot métastrépho qui est utilisé. Dans Galates 1, verset 7, l'apôtre Paul parle de ceux qui essaient de changer l'évangile de Christ. Ce n'est pas alasso, mais c'est métastrépho. Changer négativement. Dans Jacques, il dit que votre joie se change en deuil. Ce n'est pas métamorpho, mais c'est encore métastrépho. De la joie aller au deuil. Donc c'est le changement négatif.
Dis avec moi métastrepho. Métastrepho. Et généralement celui qui produit ce mauvais changement, c'est le diable. Et le diable ne le fait pas seul. Il le fait toujours en complicité avec notre volonté. Voilà pourquoi il est irresponsable. De dire c'est Satan qui m'a fait faire ça. C'est Satan qui m'a poussé à ça. Non. Il y a toujours une part de ta volonté, de ce que tu as laissé faire pour que Satan ait un accès afin de te toucher. J'aimerais raconter l'histoire de ce militaire qui a volé de la nourriture dans une cargaison des militaires. Dans un dépôt de nourriture. Alors il vole cela et on l'arrête. On dit au militaire, tu as volé. Comment tu peux voler dans le dépôt de la nourriture? Il dit, c'est pas moi. On dit, oh, qui a volé? C'est ma main qui avait pris. On dit, ok, d'accord. On va pas te frapper. Mais on va frapper la main qui a volé. Alors on met la main sur un poteau. On commence à frapper la main. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il a crié. Maman Nangai. Maman Nakoufi. On a dit, on te frappe pas. On frappe juste la main. Dis amen bien. Amen. Dis à ton voisin, soyons des responsables. Soyez des responsables. Lorsque tu as fait mal, reconnais que tu as mal fait. Rien ne sert de jeter la responsabilité sur les autres et sur le diable. Nous recevons toujours des gens qui viennent confesser les péchés. Et c'est surtout quand on voit des sœurs qui viennent confesser qu'elle est tombée avec un pasteur. Rarement, va dire que c'est elle qui a commencé. Vraiment, elle va dire qu'elle était allée jusque chez lui à la maison. Elle dira toujours, l'homme de Dieu m'a connu. Je suis tombé avec l'homme de Dieu. Elle va montrer tout ce que l'homme de Dieu fait. Mais jamais, quand tu vois quelqu'un qui accuse l'autre et ne reconnaît même pas un défaut, la personne est dangereuse. Dis à ton voisin, soyons des responsables. Soyez des responsables. Il y a un frère qui était sur une femme. Et il a connu. Après, il s'est relevé. Il est sorti de l'hôtel. Il est allé chez lui. Il a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi? Si tu ne voulais pas, tu n'allais pas laisser faire. Rien ne se fait ça que toi, tu l'as permis. Et il va confesser chez le pasteur. Et le pasteur lui pose la question. Dieu ne t'a pas parlé. Il dit, m'a rien dit. Il dit, papa, j'étais même en train de réfléchir. Je priais si je dois la déshabiller ou pas. Mais Dieu ne m'a rien dit. Il dit, bon, quand tu quittais la maison, Dieu n'avait rien dit. Quand tu confiais par SMS, Dieu n'avait rien dit. Quand tu prenais le taxi, Dieu ne disait rien. Quand tu arrivais, Dieu ne disait rien. Quand tu entrais dans la chambre, Dieu ne disait rien. Quand vous êtes connu, Dieu n'a rien dit. Dis à ton voisin, soyons des responsables. Soyons des responsables. Tu n'as pas besoin que Dieu te dise quelque chose. Lorsque quelqu'un est dans un carrefour, qu'il est devant les feux de signalisation, quand c'est rouge, il sait qu'il faut s'arrêter. Quand c'est jaune, il faut s'apprêter à avancer ou bien avancer ou à s'arrêter. Et quand c'est vert, il faut avancer. Il faut pas faire comme quelqu'un qui devait appeler le numéro du ministre du transport pour dire, s'il vous plaît, est-ce que vous nous permettez d'avancer? Il s'était vert. Et le ministre l'a dit, monsieur, vous avez un code de la route qui a déjà tout écrit sur comment on doit réagir face au feu de signalisation. En d'autres termes, il y a des gens qui attendent que Dieu qui a établi les règles puisse les dire ce qu'il faut faire. Et pourtant, dans la Bible, dans le code de la route, Dieu a déjà dit fouiller l'impudicité. Et c'est Satan qui est le rusé et le malin. Il ne faut pas tenter le tentateur.
Satan est plus âgé que toi, il a commencé depuis l'époque d'Adam. Il a l'expérience avec l'homme, avec l'être humain. Voilà pourquoi c'est être insensé que de dire que Satan est bête. C'est être insensé que d'insulter les gloires. Et Satan n'est pas intelligent. Satan n'est pas intelligent, mais Satan est malin. Crois-moi, il gère, il agit dans des gouvernements, dans des systèmes économiques, là où il y a des bourses, là où il y a des multinationales, là où il y a des grandes structures militaires, des grandes universités. Satan n'est pas bête. Voilà pourquoi il faut porter toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme et de les résister dans les mauvais jours. À partir de ce soir, partout où Satan a métastré faux, que Dieu puisse te métanoïa. Non, je déclare sur toi, partout où Satan était passé, avec ta complicité inconsciente, tu l'as laissé toucher ta consécration, toucher ton onction, toucher tes finances, toucher ta santé, que Dieu te restaure au nom de Jésus. Ton amen ne me surprend pas encore. Amen. Je dis que Dieu te restaure au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi. Alors depuis la semaine passée, je donne des exemples de quelques personnages de la Bible qui ont été métastrés faux. Et j'ai tiré des leçons importantes concernant leur décadence. J'ai parlé de Lucifer, comment il avait bien commencé, et il a fini comme étant le dragon, le serpent ancien et le diable qu'on appelle Satan. À cause de la convoitise. J'ai parlé de Ozias. Il avait bien commencé depuis l'âge de 16 ans, mais il est mort après avoir été frappé par Dieu. Il a été métastré faux, et je dis c'est à cause de l'orgueil. Je vous ai aussi parlé de Samson, qui a bien commencé. L'ange est apparu à ses parents, mais il a fini divertisseur. Et pourtant il était appelé libérateur. Il a été métastré faux. Et j'ai parlé de l'échec de son mariage. Et j'ai insisté que pour tous ceux qui ne sont pas mariés, il faut avoir le temps durant ces 40 jours avec humilité de dire à Dieu, change-moi. Des fois, nous demandons toujours la bonne femme et l'homme qui est et l'homme qu'il te faut. La femme qu'il te faut et l'homme qu'il te faut. Et des fois, nous oublions que quelqu'un d'autre aussi est en train de demander à Dieu l'homme qu'il faut et la femme qu'il faut. Alors, la meilleure prière, ce n'est pas de dire donne-moi la femme qu'il faut, c'est de dire donne-moi. Fais de moi l'homme qu'il faut pour la femme que tu as préparée et que tu es en train de préparer. La prière de ces 40 jours ne parle pas de l'autre, parle de moi. Seigneur, change-moi et fais de moi. Nous voulons d'abord parler de nous-mêmes. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est le fait de reconnaître que tout commence si nous nous changeons d'abord. Est-ce que ce que je dis est clair? C'est limpide, c'est clair. Et l'équipe est dans malamou. C'est très clair. Et l'équipe malamou. Voilà, je vais à nous mettre tous à niveau. Balance les mains. Non, c'est la tous à la bise sur l'aliment. Dis Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes plus là. Fort. Jésus, nous sommes là. Dis Jésus, nous sommes là. Jésus, nous dis sommes Seigneur, là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Mon frère, quand tu ne balances pas, tu es ici, tu n'es pas ici. Non, non, tu n'es pas fait. Au salaire en côté. Balance les mains, dis Seigneur. C'est pas un beaucoup. Voilà. Io. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Amen. 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 Et j'ai dit, il faut prier parce que le domaine sentimental peut te changer. Tu deviens une femme amère, déformée, un homme mauvais, un homme qui a peur de toutes les femmes, une femme qui a peur de tous les hommes, quelqu'un qui donnait 100%, maintenant qui développe des théories. Quand tu aimes quelqu'un, il faut donner 30. Les 70, il faut garder. Tu n'as pas toutes les garanties. Jusqu'à ce que tu seras sûr que tu t'aimes. Après, tu donnes tout le cœur. Tout ça parce que c'est quelqu'un de passionné qui sait toujours donner sans retenir, mais qui a été toujours blessé. Ma prière est que durant ces 40 jours, que Dieu vous éclaire sur vos choix,
Que Dieu vous affermisse dans les choix que vous avez déjà faits, qui sont ses choix. Si vous êtes déjà marié et que Satan avait combattu, que Dieu vous restaure, que Dieu vous remette ensemble, que Dieu vous restaure, que Dieu vous réhabilite dans sa grâce et dans sa miséricorde. Fais comme ça avec moi, dit avance prophète. Avance prophète. Et j'ai parlé. Et je devais finir. Donc je vais utiliser trois autres exemples ce soir. Et je vais tirer des leçons qui vont nous concerner. Et ensuite nous allons prier. Dis avec moi, nous allons prier. Nous allons prier. Dis avec moi, nous allons prier. Nous allons prier. Merci à vous tous. Mais tu restes là. Toi, tu as la punition aujourd'hui. J'espère que tu vas tenir. Je sais que tu gênes, tu es pas mon fils. Ça va? Tu manges à la fin le foufou? Hein? Du riz? Ok. D'accord. On va manger ensemble là, au bureau, d'accord? Tu as vraiment un visage très, qui fait triste. Ton visage est métastrophique. Alléluia. Amen. Regarde le visage de quelqu'un, tu sauras s'il a gêné ou pas. Si tu vois quelqu'un qui a un visage métastrophique, il faut savoir qu'il a jeûné. Est-ce que la porte des cieux est là ce soir? Économise tes énergies. Acclamons très fort. Est-ce qu'on peut décoller? Acclame très bien, acclame très bien. Que toutes les attitudes métastrophiques libèrent ta vie. Amen. Les relations métastrophiques, les fiançailles métastrophiques, les caractères métastrophiques, les indisciplines métastrophiques puissent te libérer. Au nom de Jésus. On peut décoller. Nous finissons ce soir métastrépho. Changer en grec à cinq mots. Cinq verbes parmi lesquels métastrépho. Et j'aimerais parler de trois autres exemples. Nous allons tirer des leçons sur lesquelles nous allons prier. Le premier exemple que je donne, c'est celui de Saül. C'est celui de Saül. Il y a beaucoup de choses à dire sur le déclin de Saül. Il y a beaucoup de choses qui ont fait à ce qu'il puisse chuter aussi vite. Mais je veux tirer un seul élément sur lequel j'aimerais vraiment qu'on puisse rester. L'une des choses qui a fait en sorte que Saül puisse finir aussi mal. Saül, il commence bien. Il parle avec Samuel sur le toit. Il rencontre la troupe des prophètes. Il prophétise. Il a un nouveau cœur. Il fait ce qui plaisait à Dieu. Après un bout de temps, il commence à faire plusieurs erreurs. Dieu le disqualifie. Et met à part et envoie le prophète à Bethléem dans la maison d'Isaïe pour oindre David. Qu'est-ce qui s'est passé? Que quelqu'un qui est oint puisse finir aussi mal. Déjà numéro 1, vous devez savoir que les rois étaient tirés de Judas. Mais Saül n'était pas de Judas. Saül, Azalaki a Judée. Je n'ai pas le temps de vous en parler. J'en ai parlé une fois quand je parlais de livrances des familles par le prophétique. Je parlais, je pense, des liens. Et dans Matthieu chapitre 1er, quand on parle de la généalogie de Jésus, il y a un endroit où on voit qu'il y a eu décalage dans la généalogie. C'est tout simplement parce qu'il y a une relation illicite dans l'histoire de Judas, Tamar, dans ce contexte-là. Alors, dans Deutéronome, on disait que celui qui va avoir des relations incestueuses, il va être privé de l'assemblée jusqu'à la 10e génération. Et c'est ce qui s'est passé. Et David vient juste après. Si vous calculez, avec Peretz,
Vous pourrez lire ça au bien, j'en parlerai une autre fois. Mais pour ceux qui m'ont suivi, je l'ai bien expliqué. Alors Dieu avait choisi Saül par défaut. Mais il était vraiment le choix de Dieu. Parmi tous ceux qui pouvaient être choisis, ils ont mis la pression de vouloir un roi comme les autres nations. Il fallait que Dieu choisisse quelqu'un. Et Dieu a choisi Saül. Mais seulement, quand vous faites un parallèle entre Saül et David, vous pouvez voir qu'il y a eu plus de préparation à la royauté dans la vie de David que dans celle de Saül. Du reste, Saül a été oint avec une fiole d'huile. Mais David a été oint avec une corne d'huile. La fiole est le produit de la fabrication humaine. Mais la corne vient d'un animal que Dieu a créé. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui sont loin avec des fioles, d'autres sont loin avec des cornes. Cette semaine, tu seras loin avec une corne. Tu seras loin avec une corne. L'une des choses qui a fait que Saül puisse dégrader, dégénérer aussi vite, c'est parce qu'il n'était pas assez préparé. Lorsque vous n'êtes pas assez préparé et que vous entrez dans le mariage, vous entrez dans les affaires, vous entrez dans le ministère, vous entrez dans la politique, si vous ne vous rattrapez pas vite avec des cours du soir, donc vous ne vous formez pas rapidement, vous pouvez facilement quitter un apogée pour un déclin. Dis avec moi la préparation. La préparation. Encore. La préparation. Plus fort. La préparation. Notre génération est la génération de la vitesse. Génération Mbangu Makasi. Nous sommes en train d'aller vers la 5G. Qui est au centre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Matérialisée par Huawei et Apple. On a boycotté Huawei de toutes les manières. Parce que la Chine prétend et détient aujourd'hui la technologie de la 5G. Le monde est le monde de celui qui va le plus vite. Et même il y a des statistiques qui sortent sur internet qui montrent les pays où la connexion internet en Afrique est la plus rapide. Tout va très vite. Allons très vite. L'homme parle de time is money. On n'a plus de temps. Il faut que je fasse vite tout ce que j'ai à faire. Alors notre civilisation crée un monde où tout va vite. Pour permettre à chacun de maximiser son temps sans avoir trop d'efforts à fournir. Amen. Amen. Autrefois, il fallait prendre un avion vers Nairobi pour une réunion. Avec quelques personnalités de la Tanzanie, de la Namibie, de l'Afrique du Sud. Maintenant, en vidéoconférence. On tient la réunion sans prendre un avion. La 4e révolution industrielle nous aide dans beaucoup de choses. Là, nous allons, ça va aller très vite. Tout va très vite. C'est l'époque des KFC. Même dans les restaurants. Il y a toujours le menu du jour. Parce qu'il y a certains repas qu'on doit préparer et d'autres qui sont déjà mis prêts. Nous sommes à l'époque de la Concorde, l'avion Concorde. Des drones. Des emails, de l'internet, de KFC, de Nando's, de McDonald's. Vous allez en Afrique du Sud ou ailleurs, vous arrivez juste dans un coin, à l'entrée de McDo, vous avez un poste de communication, vous cliquez, on vous salue, vous faites votre commande, et c'est fini, vous payez, et le temps juste de tourner, et d'arriver là où
on doit vous servir. Votre repas est déjà servi. Votre facture, on vous donne et vous partez. Les gens n'ont plus de temps à perdre. On vit dans un monde où tout va vite. Vous avez un message, appelle, vous cliquez, ça arrive dans le monde entier. Tout va très vite. Autrefois, il fallait filmer, montage, envoyer avec les médias aujourd'hui. On a Facebook Live. On a même des pré-montages. On peut juste faire le montage, on enregistre, on lance à la télé. Tout va vite. Même les enfants qui grandissent. Grandissent vite. Parce qu'ils ont accès à l'information plus tôt que nous. Nous avions. Alors, dans un monde où tout va vite, où on n'a pas le temps, quand on reçoit Jésus-Christ, on est soumis aux lois du Père. Des fois, nous voulons aussi, puisque mes travers doivent vite faire, ma femme doit vite faire, mes enfants doivent vite faire, mes employés doivent vite faire. On a l'impression que le Dieu que nous servons et avec qui nous marchons doit aussi vite faire les choses. Dieu est Dieu avant que les hommes ne puissent exister. Yes. Après qu'ils soient tous passés, avant la nouvelle Jérusalem, il continuera à exister. Dieu est stable. Dieu n'est pas changeant. Il est inamovible sur son trône. Il n'est pas perturbé. Il ne réagit pas. Il agit. Dieu est posé. Quelqu'un m'entend? Dans une telle génération, parce que tout va vite, on veut que les choses de Dieu aillent vite aussi. Ce n'est pas à Dieu de se soumettre à nos standards du 21e siècle, mais c'est à nous de nous conformer aux standards de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métanoïa par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez savoir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2 à 4. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Alors nous voulons que Dieu fasse vite. Mariage vite. Commencez à prêcher dimanche vite. Commencez Christian Ministries vite. Commencez Serge Église Ministries vite. Serge Église Ministries. Il y a des choses avec Dieu que tu ne verras qu'après 15 ans. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il y a des choses que tu n'auras qu'après 20 ans. Il y a des choses que tu n'auras qu'après 25 ans. Le problème, c'est quoi? Le jour où tu as la révélation, le jour où tu as l'appel, ça brûle tellement en toi que tu veux que tout se fasse le même jour. Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Ah, tu n'as pas entendu. Quand Dieu est pressé, il marche lentement. Dieu prend le temps de préparer ses moudjahidines. Dieu prend le temps de préparer ses généraux. Avance, papa. Viens avec moi, préparer. Préparer. Préparer, c'est comme aussi cuisiner. Préparer, c'est comme aussi cuisiner. Un cuisinier qui va servir un bon repas doit aller dans la cuisine. Il va prendre des bonnes choses et des mauvaises choses. Il va les mélanger. Il va les préparer. Vous allez sentir l'odeur. Miam, 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 miam. Ça vient quand? Et mais il va d'abord terminer. Ce n'est pas parce que ça sent bon que c'est déjà cuit. Yes. Ce n'est pas parce que tu sens bon que tu es déjà cuit. Celui qui est impatient mange cru. Mais celui qui est patient mange cuit. Avance, prophète. Amen. Je répète, celui qui est impatient, il mange cru. Mais celui qui est patient, il mange cuit. Ce n'est pas parce que tu sens bon que tu es prêt à la consommation. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que tu dois lancer ton album. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu dois commencer l'église. Avance, prophète.
Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien que les hommes t'apprécient. Tu sens bon que tu es prête pour le mariage. La plupart de nos sœurs ne sont pas prêtes pour le mariage. Être prête pour le jour du mariage n'est pas synonyme à être prête pour la fille du mariage. Ah, tu n'as pas dit amen. Okay, amen. Être prête à 100% pour le jour du mariage ne veut pas dire que tu es prête à dormir, te réveiller, dormir, gérer la belle famille, les tensions, la famille, la popularité. Ça, c'est autre chose. Laisse Dieu te préparer. Laisse-le te préparer. Dieu te prépare. Amen. Il est en train de te cuisiner. Azo lambayo. Il te malaque. Il te prend le foufou. Azo foufou. Azo balusayo. Voilà pourquoi depuis 2019. Où t'as 2019? Tu comprends pas. Dieu est en train de te malaquer. Osoté. Zambé. Azo niata okaka. J'aime quand Dieu est le divin cuisinier. Nani zambé tamaza mon lambi. Est-ce que le bicarbonate c'est bon dans la bouche? Bicarbonate amalam na monokote. Est-ce que le cube magique c'est bon dans la bouche? Est-ce que le poisson qu'on vient de découper là est bon dans la bouche? Quand Dieu te prépare, il va prendre et les bonnes et les mauvaises choses. Il va les mélanger. Mais dans sa science de la cuisine, il sait comment il va te mélanger. C'est après seulement que tu vas dire Romain 8:28. Romains 8, yes. 28. Dis 8, 28. 8, 28. Quand tu sors d'ici ce soir, répète à ton voisin 8, 28. 8, 28. Tu connais ce verset? Car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse Dieu te préparer. Dieu veut t'emmener quelque part. Mais Dieu est pressé. Dieu est pressé. Reste calme. Sois patient. Avance, prophète. On prophétise pour toi. Tu seras un grand prophète. Tu regardes la petite Bible française courant. Tu jettes. Tu vas à Victoire. Okay, la Victoire. Maison de la Bible. Tu cherches le scophide. Tu tiens ça. Un gros sac. Une grosse cravate. La cravate mon quand tu vas dans les conférences. Okay, la conférence. On t'appelle bonjour frère. Bonjour frère. Je ne suis pas frère. Je suis révérend. Révérend. Aux frères et aux sœurs. Avance, prophète. Branham s'appelait frère Branham. Branham, comment il a Osborne s'appelait frère Osborne. Ce n'est pas le titre qui fait le ministère. C'est le ministère qui fait le titre. Arrêtez la maladie de la titromanie. Révérend. Très révérend. Grand révérend. Définition. Révérend veut dire quoi? Révérend. Vous ne savez même pas. Avance, prophète. Mon moto n'a pas été. Patience. Patience. Même quand le cœur veut bondir. Attends, patience. J'ai commencé le ministère. Depuis le la crevette. Où t'as la crevette? La map a explosé. Les gens me disaient. Commence l'église. Commence l'église. Il m'a dit non. N'habite. Non. Ce n'est pas parce qu'un homme a 15 ans et ça peut être mobile et ambulance mais mita non elle a la capacité d'engrosser une femme à cause de son spermatozoïde que Dieu lui a donné qui doit aller engrosser une femme. Non, ce n'est pas parce que Dieu naturellement t'a donné une capacité que tu dois aller l'exercer. Et ça peut être ma coquille. On donne sa semence dans un cadre officiel. Mariage civil, mariage de famille, mariage à l'église. Il faut que l'économie soit réunie. Parce qu'après ça, avoir un enfant, c'est notre responsabilité. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu as le spermatozoïde de la prédication que tu dois commencer une église. Yes. Vous comprenez l'image? Ce n'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose que tu dois aller le faire. Il y a l'esprit de Lucifer. Quand tout le monde fait des concerts d'adoration, moi aussi je vais aller faire. Je fais l'affiche. Avance, prophète. Mega celebration of worship and praise. Et tu invites tout le monde.
$100, 300, 200, 300. Et puis tu postes les photos. On baptise. Biloulela. Konula. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'appel au ministère. On doit les arracher le ministère. Oui, yes, dans Romains, on dit qu'il y a des gens qui ont le don d'exhortation. Il y a des gens, il a le don d'exhorter, mais il n'a pas un ministère parmi les cinq ministères post-ascension, apôtre, prophète, pasteur. Ça, c'est autre chose. Et puis mon soin, Nicolo. Tu as avec quoi préparation. Préparation. Il va même te préparer avec des gens qui vont te traiter durement. Une belle-mère qui te traite durement. Une marâtre qui te traite durement. Pendant que ces jeunes filles sont en train de regarder les Kardashians, toi tu es en train de nettoyer, de faire la lessive. Mais le jour où le mariage arrivera, le mari aura une Kardashian à la maison. Mais toi, dans ta maison, ton mari aura une femme accomplie. Mais qui a été formée par une maman qui était dure envers elle. Garde toute chose. Concours. Lamentation 3, on dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? N'est-ce pas de la volonté de l'Éternel que viennent et les mots et les biens? Dans Esaïe, on dit ceci, je crée les ténèbres, je forme la lumière, l'adversité et la prospérité. Moi, Dieu, je fais toutes ces choses. Pourquoi? Pour te préparer. Pour Saül est tombé. Saül a koyaki. Il a eu un cours rapide de formation. Azwaki cours yambangu. Mais David, Kaidawidi, depuis le troupeau de son père. Outa papa dit de tanaye. Il est allé chez Saül. Il est rentré. Azongi. Il est allé dans le champ de bataille. Akieso nakata etuba. Il a été célébré. Akumisamaki. Il était chez Saül. Azaki pas Saül. Il a commencé à être jalousé. Abandiko. Il était proche de Jonathan. Azaki pemena Jonathan. Il était chef d'armée. Azaki mokozi na pinga. Il entrait et sortait avec la maison d'Israël. Nanda kuna Israël. Quelque temps après, il allait en exil. Akina yako mboka paya. Bambula. Des années. L'huile qu'on avait mis sur la tête de son père avait déjà séché. Et c'est kauka kinyo. Mais les promesses n'avaient pas séché. Et kauka kinyo. Mais l'onction. Et pas quoi? L'huile avait séché. Ma foute est pas quoi? L'onction n'avait pas séché. Qu'est-ce que c'est pas quoi, Kaukakite? Yes, papa. Et au moins, il pensait qu'il était perdu. Donc, ça va nous faire ça. Il a commencé à écrire les psaumes. Regarde les psaumes. Il était perdu. Personne n'était là. Et au moins, il est même allé chez les Philistins. Tant moi, qui est pas un Philistia. Il a commencé à jouer aux zinzins. A comme il était en exil. Ah, qu'il est en exil. Après, on l'a oué une deuxième fois. Jusqu'à ce qu'on le oigne une troisième fois. Jusqu'à ce qu'il devienne roi sur tout Israël. Il a eu des femmes, l'histoire de Bethsheba, avec ses enfants, la rébellion. Malgré ça, Dieu l'a fait grâce. Après, Adonijah soit parti. On a élevé. Après, Adonijah, c'est notre premier roi. On a élevé Salomon. Malgré ça, il n'était pas encore mort. On les réchauffait avec des jeunes filles. Il s'est réchauffé. Les gens qui aiment spiritualiser ça, ça veut dire que Jésus-Christ, qui est notre époux, a besoin de notre présence dans l'adoration pour l'affection. Non, c'était charnel. Avance, prophète. Dis avec moi, avance, prophète. Avance, prophète. Malgré ça, attends, il n'était pas mort. Akufa kite. Têtu. Il a préparé tout ce qu'il fallait pour le temps. Il a préparé Salomon. Salomon. Il dit, connais le Dieu de ton père. Abiye, quand David disait, connais le Dieu de... Il avait expérimenté des années et des années de brisement, de formation, d'erreur. Il a tout connu. Yes. Tout ce que tu as traversé toutes ces années-là. Parce que Dieu te préparait. Cette décennie, c'est la décennie de la manifestation. Dieu t'a préparé. Pour te manifester.
Ne sors pas pour être une grossesse prématurée. Kopimate bozala zemimoko. Attends jusqu'au 9e mois. C'est là où commence Samsa à souffrir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Wanezali sagolo tango se tiana. Elle ne mentira pas. Et koko sa soki mokete. Ça arrive que tard. Soge, comme était où mela? Attends là. Zela nangu. Elle s'accomplira. Ekogisama. Elle s'accomplira. Ekogisama. Certainement. Solo akosagate. Dieu. Zambe. Même s'il marche lentement. Adesotama malembe. Il n'arrive jamais en retard. Akomaka nasimanongate. Ah, tu n'as pas entendu. Okite. Le Dieu que tu pries là. Zambo zobane la. C'est 40 jours d'Anouka. Mais 40 jours d'Anouka. Même s'il marche lentement. Adatamola loko. Il n'arrivera pas en retard. Akokoma en retard. Quand il va arriver. Tu vas réaliser qu'il est arrivé au bon moment. Lève-toi, donne high five à ton voisin, dis power. Power. Attends, le la caméléon. Power. Amen. Je vois Dieu marcher cette année. Je vois Dieu arriver cette année. La promesse s'est réalisée cette année. La prophétie s'est réalisée cette année. Lève-toi, dis hey Yahweh. Hey Yahweh. Minzote panzani na mokilengeli. Aya. 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 Regarde ton voisin dit baolambanga. Baolambanga. Atana zoka passe. Baolambanga malam. Yes. Bazo balusanga malam. Yes. Ataba otutanga tout. Yes. Na telemi. Na banio bongisa. Yes. Atana kwei. Na telemi. Na banokendi. Yes. Ana sali mama be. Bazo singa na nzela. Yes. Ana kena tutani. Cette année, le divin cuisinier va te présenter devant les consommateurs de ton mariage, les consommateurs de ton ministère. Un moment, je me suis posé la question. Joël Francis, pourquoi tu as connu tout ce que tu as connu dans la vie? Tout ce qu'un homme de Dieu connaît. À 50% j'ai connu. Na 50% on a coûté nango. Moi, ngai. Les hauts, les colo, les bas, na les exploits. Baby, comment? Même les erreurs. Ataba mambunga. Aujourd'hui, si je te dis connais le Dieu de ton père. Le son a dit yeba ensemble Satan ayo. Ne te parle pas des histoires. Na soki sote ma sola pa pamba. J'ai vécu Dieu. Na kuta na ensemble mbuzu na mbuzu. Je suis passé par la mort. Na leka na kufa. Je m'ai relevé. Nzamba tombola. Je suis tombé aussi des fois. Na kwa le susu mbala. Dieu m'a fermé. Nzamba lende singai. Non, c'est pas un ange qui te parle. C'est un homme qui est passé avant toi par tout ce par quoi tu passes et qui peut te dire l'andanzame. Ah, nzamba le kinyoso di. Amen. Dans la vie nzamba le kinyoso. Amen. Je te prêche pas des histoires ici. Non, t'es ma camboua pas pamba. Tu n'as pas un pasteur qui est un ange qui tombe du ciel. Tu as un pasteur qui a tout. Tout ce qu'un homme de Dieu connaît, moi j'ai connu ça. Osa on va télépater à Potama Lokola yo, akuta nyoso moto za makuta. 2020 je brille encore. 2020 c'est zobona les sous. Je rajeunis. Nazo comme asika. Général au. Je prophétise. Nazo sakola. Je perds des miracles. Nazo abika moi. J'ai des portes qui sont ouvertes. Nazo abiku que c'est pour moi. Quand je te dis connais mon Dieu. Dans la Bible ma zambe nanga. Je te parle pas des histoires. Nazo ma solote. Mon Dieu peut te délivrer. Amen. Mon Dieu peut te relever. Amen. Mon Dieu peut te restaurer. Amen. Il peut utiliser le mal qui t'est arrivé et le changer pour ton bien. Satan a dit, hein. Satan a dit, hein. Satan a dit, hein. Satan a dit, Jacob. Eh, Jacob. Il a fait l'erreur. Il a eu Léa. Il a eu Rachel. Je l'ai eu. Un enfant. Mon amoko. Deux enfants. Mon ami balé. Trois enfants. Mon ami Sato. Quatre. Mon ami Nei. Cinq. Mon ami Tam. Six. Mon amoto. Sept. Mon ami Nei. Huit. Mon Sam. Neuf. Mon ami Bo. Onze, douze, je l'ai fait faire des erreurs. Mais il ne savait pas. Aïe, pas quitté. Aïe, avance prophète. Il ne savait pas. Aïe, pas quitté. Qu'au ciel, dans l'ola, il y a 24 veillards. Et ça ne va pas à tout le monde dans les 12 prévus dans les actes et les apôtres. Je me l'ai dit, mais 12 prévus dans les patriarches. Je me l'ai dit, mais vous savez, dans ma coco. Ce qu'il pensait faire faire d'erreur à Jacob a été tourné pour établir les 12 tribus. Égida! Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Dieu va utiliser tes erreurs comme des leçons pour les autres.
Ce qui t'est arrivé va tourner pour ton propre bien. Dieu n'a dit pas fait des erreurs. Mais quand ça arrive, même quand Jonas a fui, il a fait l'erreur. Tu as récupéré l'erreur. Et Jésus a dit, je vous donnerai le signe de Jonas. Comme Jonas était entré dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et c'est le Fils de Dieu. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que l'erreur de quelqu'un est devenue la prophétie des autres. Et comme il prophétie, que l'erreur d'aujourd'hui deviendra la prédication des autres. Et comme il était à Basusu, la conclusion de tes épreuves deviendra le thème de prédication des autres. Et comme ton soit à avance, prophète. Professeur, papa. Et je parle à qui ici? Nazo Benaniao. Je parle à qui ici? Nazo Benaniao. Je n'ai pas dit faire des erreurs. Narabite cela mabunga. Je n'ai pas dit tombe. Narabite koya. Mais Dieu, Zambe, il est trop sage. Azana bwana makasi. Il est trop intelligent. Azama il est makasi. Il peut récupérer l'enfant là que tu as eu au mariage. Alors qu'on soit moins nana, on sait qu'il va dans les bains. Donner cet enfant à un roi. Apprécié comme le roi Salomon. La preuve, non. Aucun des enfants légitimes de David a été roi. Moi, dans mon côté, légitime à David, il y a ça qui me conduit. Ça, c'est une autre dimension. Ah, tu n'as pas dit amen. On l'a bien amené à terre. David, hein, a fait un péché. Il a pris Bathsheba. Il a tué son mari. Elle était enceinte. L'enfant est mort. Moi, Nakoufi. Quand Dieu voulait mettre un roi sur Israël, il n'est pas allé chercher les enfants des femmes officielles. Avance, prophète. Yokama. On est à dimension Mosusu. On est à dimension Mosusu. Le prophète a fait des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs. Il est tombé. Oui, j'ai tombé. Solo na koyaki. Mais de toutes ces choses-là, je peux parler au pasteur aujourd'hui. Et leur dire ne fais pas ça. Ça va te coûter ça. Je t'aime. Tiens bon. Satan commence comme ça. Satan il t'amènera là. Ah, tiens bon. Si, c'est pas un ange qui te parle. Et ça, ça, c'est l'église de la vérité. On est pas dans les hypocrisies. Celui qui te parle, c'est un homme qui est passé par beaucoup de choses. Mais plusieurs qui craignaient Dieu plus que moi sont morts. Si je suis resté vivant, c'est parce que de Bathsheba. Et ça va de Bathsheba. De Bathsheba, na Bathsheba, ah tu n'as pas dit amen. On l'a bien mis la tête. De Bathsheba, na Bathsheba, sortira Salomon. Salomon na kolimanakati. Prophète, nous sommes au Jourdain. Salomon, 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 qui va dominer sur tous ses frères. Oh ya ko konza likona bande konene. Dans la préparation, na ko bongi sama. Dieu va tout ramasser. Zamba ko logota nyoso. Et ce qu'il a permis. Na ya pesine. Et ce que tu as fait contre sa volonté. Na ya sosali ko. Il va tout prendre. Na ko zo nyoso. Et il va faire de ça une couronne de gloire. Pe ko sala ngo motole ya kembo be. On ne reconnaît pas un général. Ba ko yeba général te. Par le grade qu'il a sur ses épaules, mais par les cicatrices qu'il a dans son corps. Je ne suis pas général overseer. Par la beauté de mes costumes. Mais parce que j'ai des traces de blessures. J'ai été trahi. J'ai été rejeté. J'ai été insulté. On m'a écrasé. On a fait des vidéos de 1 million de vues sur Internet. Les amis pasteurs ont posté. On m'a dit Dieu l'a laissé. But baby, I am back and I'm strong more than ever. Ah, tu n'as pas dit amen. On va bien amen à terre. Parce que rien ne comparait à la sagesse infiniment variée de Dieu. Et là, comment tu as dit il a pris Bathsheba. Son enfant. Et pourtant, le mari de Bathsheba a été tué. Son enfant a été écrit. Et comment il y en a? Parce que Dieu peut récupérer tes erreurs. Il peut récupérer tes péchés. Arabassa. Christ de toi. Il peut récupérer même tes chutes. Pour aider quelqu'un quelque part. Yes. Voilà pourquoi ne crains rien. Dieu est au contrôle. Je sens que je dois arrêter ici. Yes. Dieu prépare quelqu'un. Yes. Je sais pas, papa. Na ébité.
Satan pense qu'il est en train de te détruire. Satan a organisé ton bébé, ça. Mais si tu viens tel que tu es, malgré ce que tu as fait, tu te mets entre les mains de Dieu. Dieu peut tourner cette chose pour ton bien. Il est écrit, ceux qui adorent Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité. Yes. En vérité, ce n'est pas seulement avec la Bible. C'est aussi dans la franchise, dans la vérité. Moi, je suis un homme vrai. Là où j'ai failli, je te dirais que j'ai failli. Yes. Le monde n'a pas besoin des anges. Le monde a besoin des hommes vrais. Qui parlent des choses que les hommes connaissent et vivent avec. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Je sais pas là où tu es. Mais tu es venu durant 40 jours. Dis seulement à Dieu, papa. Papa. Voilà mes 12 enfants. Que j'ai eu dans le désordre. J'ai eu une femme que je ne voulais pas. J'ai dormi. Je me suis réveillé et j'ai trouvé une que je n'avais pas choisie. Le papa m'a fait une marmaille. Papa, ça n'est pas ça. Les 12 enfants que j'ai eus. Je te les présente. Je peux faire des 12 enfants que tu as eus. Les 12 tribus d'Israël. Yes. Voilà pourquoi, lorsque Élie devait invoquer le feu, il a rétabli l'autel et il a établi l'autel sur 12 pierres. Yes. Les 12 enfants qui sont nés par des erreurs. Dieu a fait de la fondation sur laquelle Élie devait dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yes. Là où Satan agit, il ne sait pas que Dieu est sage. Satan est malin, mais Dieu est sage. Yes. Il peut récupérer ton veuvage, récupérer ton divorce, récupérer les enfants que tu as eu en mariage. Il peut récupérer les problèmes que tu as connus et les tourner à la gloire de son nom. Pourquoi Jésus à la résurrection a montré les signes qu'il était allé à la croix? Pourquoi? Avance prophète. Pourquoi il a eu un nouveau corps, mais le nouveau corps glorieux n'a pas changé ses cicatrices? La gloire a changé son visage. Même Marie de Magdala ne l'a pas reconnu au jardin. Oui. Il avait le même visage, il était métamorphosé. La forme avait changé. Regardez. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelqu'un qui est passé par les épreuves, arrivé sur le trône, le Jésus qui est sur le trône a toujours les cicatrices. Yes. Yes. Pour servir de témoignage et d'identification qu'il est vraiment passé par la croix. Yes. Yes. Tu as une grande église. Yes. Oui. Montre-nous les cicatrices. Avance, prophète. Bilembo. Qui montre que tu es passé par là. Tu as puissant ministère. Oui. Yo. Quelle est ton histoire? Il n'y a pas de gloire sans histoire. Yes. Tu as un glorieux mariage de 30 ans, oui. Montre-nous les cicatrices. Notre génération est sur le trône mais sans cicatrices. Les médias ont mené plusieurs personnes sur des trônes. Les stratégies de la médiatisation ont amené plusieurs personnes dans la popularité. Quand je pleure et je dis merci Seigneur, je sais de quoi je parle. Yes. J'étais dans des choses compliquées, que je ne peux pas raconter aujourd'hui. Les quelques personnes qui me connaissent, quand je les parle, ils pleurent. Un pasteur qui va en Europe, il prêche la parole du salut. Il m'a dit, Joël, j'ai appris la vraie version. Il a pleuré. Alléluia. Il a dit, pardonne-moi. J'ai dit, non, it's okay. Je devais garder ça secret. Parce que c'est mon histoire. Yes. Demain, je vais aider mes enfants. Demain, je vais aider d'autres personnes. C'est mon histoire.
La vengeance ne sert à rien. Trop parler ne sert à rien. La sagesse des fois, c'est que toi tu meurs dans le cœur des gens pour que tu deviennes une sémence qui va leur faire grandir. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan est passé par là. Satan il t'a détruit. Il t'a fait passer par des choses bizarres. Le Seigneur me dit de te dire, il va récupérer ses 12 enfants. D'autres que tu ailles par une femme que tu ne voulais même pas. Et il va faire de la fondation de la maison d'Israël. Et tel les ménages. Quand ils sont passés par le Jourdain, Dieu a dit à Josué, prends 12 pierres. Que tu vas mettre là comme mémorial. Afin que plusieurs sachent que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, pourquoi Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, mais dans la Bible, on continue à l'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi Dieu continue à se faire appeler le nom de le Dieu de Jacob? Et pourtant, il avait donné le nom d'Israël. Israël, c'est le prince de Dieu. Israël est le prince de Dieu. Jacob, c'est le voleur. Jacob est le voleur. Mais Dieu préfère continuer à se faire appeler le Dieu du voleur. En toi, il y a Jacob et Israël. Il y a un fou. Et il y a un roi. Il y a une folle et il y a une reine. Et même quand Dieu t'élève, il préfère s'appeler le Dieu de l'homme faible en toi. Yes. Voilà pourquoi j'aime Proverbe, on parle des damans. Les damans sont comme des lapins. Comme des lièvres. On dit, c'est un peuple sans force, mais qui s'appuie sur des rochers. Nous ne sommes pas forts. Mais notre force, c'est de s'appuyer sur le rocher des âges. Yes. Voilà pourquoi quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je pleurais à Dieu trois fois. Il me délivre de la main du diable. De l'ange du diable qui me soufflait. Mais Dieu m'a dit, ma grâce suffit. Yes. Car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Amen. J'ai prié. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. C'est quand je suis faible que je suis fort. Yes. Amen. Que je suis fort. Amen. Que je suis fort. Tout celui qui veut être à genoux sur l'autel, veut être allongé quelque part, le Dieu là qui t'a choisi, qui t'a parlé au commencement, il est en train de te préparer à des grandes choses. Il t'attend là où tu es. Entre dans ton lieu secret. Entre dans ta chambre. La chambre, ce n'est pas rentrer à la maison. C'est entrer en toi-même. Si c'est là où tu es. Si c'est quelque part. Si c'est devant l'autel. Jette-toi devant Dieu. Parce que le Dieu qui t'a appelé t'attend tel que tu es. Il dit, venez à moi. Tout ce qui est chargé et fatigué. Et je vous donnerai du répit. Tu as un poids. Tu as des choses dans ta conscience. Des choses que tu traînes avec toi. Emmène ça entre les mains de Dieu. Il est capable de changer ta vie. Il est capable d'utiliser ça pour sa gloire. Mais j'aimerais que quelqu'un prie. J'ai fini ma part. J'aimerais que quelqu'un se jette devant Dieu. Dis à Dieu, regarde ce par quoi je suis passé. Tout ce que j'ai traversé, c'est ce que j'emmène devant toi. Satan est passé par là. J'ai commis des erreurs. Rien ne marche dans ma vie. Ma santé ne va pas. Ma famille ne va pas. Mais tel que je suis, c'est tel que je viens. Seigneur, change-moi. Change. Et fais de moi quelqu'un d'autre. Alabasa. Alléluia. Monte une gamme. Alabasa. Alababasa. Labasa.
Je sens la présence de Jésus ici. Cette semaine est dangereuse. Dieu est en train de relever, de restaurer. La qui se plie de l'ouza, le chamana, côté les bayadia, s'applique tout lire sous la mandouche. Monte encore une gamme, Kanabash. Matin les sous-sous. Vous me suivez en direct. Vous êtes ici de l'assemblée. Que chacun se jette devant Dieu. Je n'ai personne. Je n'ai que Jésus. 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 Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai que Jésus. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai que Jésus. Je n'ai personne. Je n'ai que lui. Soyez prêts en prière, soyez en prière. Nous sommes là pendant 40 jours. Quelqu'un nous sommes. Plusieurs années d'erreur. Des années de tâtonnement. Des années de rejet. Des années de destruction. Des années de chute. Des années de coups. Et nous venons du monde ces 40 jours. Devant le réparateur des brèches. Le réparateur des brèches. Le réparateur des brèches. Le restaurateur des cœurs brisés. Jésus est là, Jésus est là. Ne priez pas, ne priez pas. Laissez les gens prier, laissez les gens prier. Alléluia. 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 Ton mari est parti, te laisser avec les enfants. Viens avec tes enfants devant Dieu. Seigneur, change-moi. Laisse l'âme couler. Que ton cœur puisse se déverser. Jésus. La personne des personnes qui n'ont personne. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Il est la personne des personnes qui n'ont personne. Jésus est là. 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 Lule panana lazana makasite aya nolinga alukaka batwa makasite alukaka oya potosi yowe
te la monte mananga. So ki mi pepe. So ki baguna batele mi. Yesu andimi kutiango kati nana naza phase de terre e panzana ka pamba pamba Yesu andimi risque il a investi en moi do idela asuki awate asuki awate azotambu isanga nakoma kolanda ye
40 jours des instruments de Dieu. Salananga.
Saint-Esprit, me met à cœur de lire pour toi un texte. Ah, tiens, on a monté maintenant pour nous lire un livre. Je vais lire pour nous un texte. Pour tanga pour nous bien lire un livre. Reste en prière. Si quelqu'un a commandé là, moi je vais lire pour toi. Aïe, na botanga pour na yo. Je vais lire ce texte que Dieu a déposé dans mon esprit. De Corinthiens chapitre 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis dans une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je déclare dans ton esprit, je déclare dans ton âme, je déclare dans ton corps, là où tu as été traité de faible, c'est par là que Dieu veut te rendre humble, afin que lui seul soit glorifié par ton élévation.
Là où ils ont dit que tu es faible, je déclare qu'à cause de sa grâce, tu es fort. Amen. Lorsque tu vas dire amen à cette prière, tout va être transformé. Amen. Parce que la puissance de Dieu commence maintenant à prendre place. Là où les outrages ont agi, les calamités ont agi, les calomnies ont agi, c'est là où Dieu veut se glorifier. Reçois la force dans ton esprit, reçois la force dans ton âme, reçois la force dans ton corps, au nom de Jésus Christ. Et nous disons amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Il mérite bien plus que ça. Abongi kole kowana. Il mérite plus d'acclamation. Abongi kole kanowana. Il mérite bien plus que ça ce soir. Abongi. Ata koyulo na sengwa abongi. Écoute. Yoka. Ses bontés divines. Son amour parfait. Ses empreintes d'en haut. On peut chanter. Je ne suis qu'un fils. Et lui est mon papa, papa, papa. Oh yes. Regarde bien. J'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Est-ce que la porte des cieux peut se lever? On va célébrer Dieu. Je me mets à faire quoi? Je me mets à chanter. Éternel. Bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel. Quel couplet? Mon âme se loue. Aïe. Ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'un fils. Et lui est mon papa. Seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me fais à faire quoi? Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Azaté. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour. Mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Pour mon seul Sauveur. Et dis-le très bien, il m'a pris de loin. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Et m'a
côté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans la main de l'ennemi et le grand Goliath se retrouve passé. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Je ne sais comment le dire. Attends. Je me mets à chanter. On va juste rajouter cette partie. Même les ténèbres. Non plus aucun pouvoir sur moi. Par la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Encore une fois, même les ténèbres. Et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Par la clé de la mort. Oh, Koufa, sous-souté. Tu vas pas mourir de ce problème. Tu mourras pas de ce problème. Quand il me tient la main. Je fonce. Nous fonçons droit dans la main de l'ennemi. Et le grand Goliath de ma famille et tombe. Le grand Goliath. Ayabashé Braya. Se retrouve par juste nous voir lui seul. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Je ne sais comment le dire. Je me mets à chanter. Éternel est bon. Il est bon. Embrasse quelqu'un autour de toi. Dis à ton voisin, l'Éternel est bon pour moi. Sois fort. Dieu est en train de te préparer. Dieu te prépare quelque chose de glorieux. Est-ce que quelqu'un peut embrasser quelqu'un à côté de toi, 5-6 personnes? Salue quelqu'un, dit l'Éternel est avec toi. Waouh! Alors qu'on acclame le Seigneur, mettons-nous dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole ce soir? Cette semaine est dangereuse. Tous ceux qui ont mené leur dîme avancée, l'enveloppe qu'ils ont pris pour le groupe électrogène avancé. Vous êtes en direct, suivez-nous. Envoyez votre offrande maintenant dans le site www.bâtisseur.net. Tous ceux qui ont des enveloppes avancées.